J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite boule de Noël. Alors, je pense que je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais à certains, j'ai dit, cette année, je faisais mon sapin en couleur rose, quoi. Voilà, donc je vais faire des petites décos, si je peux, rose à l'intérieur. Pour ce faire, j'ai vu ça sur la chaîne de Chanel Scrap. Voilà. À laquelle je me suis abonnée. Donc c'est à partir de petites boules comme ça qu'on trouve chez Action. Attendez. Alors, si je peux mieux éclairer. Je ne sais pas du tout vu que je vois rien. Donc on les trouve chez Action à 99 centimes les deux. Alors je crois qu'elle m'avait dit que chez Cultura elles étaient de plus belle qualité. Bon, là je sais pas. En fait j'ai jamais. Si j'en ai fait une l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec des pompons, de la neige, voilà. Et tiens, ça me fait penser à quelque chose que j'aurais dû racheter de la neige. Parce qu'après, là, en ce moment, chez Action, ça, les trucs de Noël, c'est en train de se terminer, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, la qualité, je sais pas, me paraissent bien brillantes. Hein. Elles sont pas moches à regarder. Donc, bon, on verra bien. Donc, ce qu'il faut, c'est les séparer. Le ruban rouge, j'en veux pas parce que... Comment? Je vais faire ça forcément dans les roses. J'en ai vu l'autre fois. Alors l'autre fois, je suis allée chez Cultura pour chercher mon encre Versafine. Un grand Cultura. Hein. Bah, vous me croirez ou pas, il n'y en avait pas. Quasiment rien en encre. Rien. Ni les petits, ni les grands. Donc j'ai pris celle-là. Là, c'est séchage rapide. La Easy Ink couleur T. Voilà. Donc j'irai au Cultura qui est près de chez moi. Mais en plus on a été loin exprès pour chercher ça. Et total, il n'y avait pas. Donc voilà les petites boules. Alors j'ai pas trop regardé le tuto. Tiens, ils ont mis des petites feuilles de rhodoïde. Ça peut servir. Et puis là, je vais chercher une image, bah, forcément dans les roses. Hein. Donc là, des petites chutes qui me restent. Il y a ceci qui est joli. Il y a celle-là qui est trop juste de taille, donc celle-là aussi, je présume. Évidemment, hein, puisqu'on va couper l'image en cercle, j'ai mis mon pistolet à chauffer. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas encore ouvert ma boîte de déco de Noël, quoi. J'ai une petite fille comme ça. Alors, je vous invite à aller voir la chaîne de Sandrine, les tutos de Sandrine, parce que c'est, elle a fait des petits anges aussi à accrocher dans le sapin. Alors je pense pas être aussi douée, notamment dès qu'il y a de la couture, c'est même pas hors de question. Mais elle a fait des petits visages d'enfants. J'ai trouvé sur Pinterest des visages d'enfants, enfin, je les imprime et elle en a fait des petits sujets à accrocher, quoi. Avec, c'est super joli. Je trouvais ça très très joli. Et, bah voilà quoi, j'essaierai d'en faire un, quoi. Pour voir. Parce qu'en fait, en déco de sapin, j'ai pas tellement de trucs roses. Donc voilà. Donc il y a la petite fille comme ça, qui est mignonne aussi. Là, il y a un Père Noël qui est quand même avec du rose. C'est pas mal non plus. Elle est jolie celle-là. Hein. Parce que là, il y a Happy Christmas. Mais là, j'aime bien voir le chariot là. On va essayer de faire avec celui là donc moi ce que je fais, c'est que je vais faire comme ceci et je vais venir découper. Alors ça, c'est quelqu'un aussi qui m'avait envoyé ça. Voilà, on va faire comme ça, hein. Par contre, je vais voir ce que je vais mettre à l'intérieur. Soit des paillettes, soit des petites des boules de neige, ou je sais pas encore. Je sais. Enfin, des boules, vous savez, des petites boules blanches en polystyrène, hein, c'était mignon. Voilà. Faire comme ceci. D'accord. Alors, je vais pas. Je suis en train de penser que je vais pas mettre de la colle chaude. Parce que je sens pas l'histoire. Donc, je vais mettre de.
La colle normale, le problème c'est que ça. Je sais pas où d'ailleurs, je vais la mettre. On va la mettre au bois. Ça prend pas vite quoi, cette colle là. J'étais trop déçue à. Comment ça s'appelle? À Cultura. Puis alors les prix. Oh, j'ai dit merci Action. Hein. J'ai dit franchement. C'est un loisir de riche, ça, c'est pas possible. Voilà, je vais faire comme ça, sans conviction. Ah bah oui, je suis bête, il faut déjà prévoir. Bon, bah c'est pas grave. Je reviens. Voilà, j'ai trouvé mes petites boules blanches. J'aurais préféré des dorées, mais bon. Je vais mettre un... D'accord. Un petit peu de paillettes. Bien joué, Sylvie. Ça brille et on va venir coller ça comme il se doit et puis on va attendre. Bah, ce qui va dépasser, je vais le découper. Hein, je ne bouge pas mon truc parce que sinon les billes elles vont venir se coller où il y a la colle. On est bien d'accord. Alors, j'ai une grosse caisse avec toutes les décos de Noël, mais c'est vrai que j'ai pas encore ouvert. Je suis pas encore trop dans Noël. Voilà. Pas vraiment. Là, il y a un petit cadeau. C'était mignon aussi, ça. Voyez-vous? Je vais maintenant chercher petite dentelle comme ceci de petits pom-pom de comme ça. Alors soit ou cela, mais je crois pas que, je sais pas si ça sera terrible là dessus c'est bien parce qu'en fin de compte avec une boule on en fait deux. Je sais pas si c'est terrible ça. Celle-là. Vous savez, la petite comme ça de pompon là, ce serait mignon ou blanc, mais je pense que ça sera mieux rose que blanc ou celle-là. Ou celle aussi. D'accord. Vous voyez là, j'ai fait toute une boîte avec tout ce qui est pompon. Ah non, mais on croit pas, mais je suis organisée, hein, comme fille. Hein. J'essaie de vous faire ça rapidement, la petite vidéo de mon coin, là. Vous allez vous moquer de moi, parce que j'ai beaucoup de jouets. Je suis très jouée, j'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que je la mettrai comme ça. Et un petit ruban. Ben, j'ai peur que le ruban, il va jurer, je pense. Il faut que j'en trouve un blanc. Vous avez vu le coup ou pas? C'est moyen en fin de compte. Hein. Aïe aïe aïe, vous voyez, faut pas. Faut qu'elle bouge. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, terrible ça. Est-ce que le beige est mieux ou pas? Ou le rose? Ah bah c'est comme ça, il faut faire des essais. Hein. Si vous faites pas d'essais, je sais pas. Je sais pas du tout. Non, c'est pas terrible celle-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme couleur? Il y avait du blanc. Mais blanc, ça, c'est mignon aussi en blanc.
blanc, ça ressemble aussi aux petits pompons qui sont au milieu, quoi, mais... Bon, de toute façon, on peut faire tous les styles, hein. On peut en faire avec de la dentelle, on peut... Voilà, quoi. Le rouge, j'ai essayé. Ah, bah, c'est beige aussi. Je sais pas. Peut-être le beige le mieux, hein. Oh, la fille est longue, elle a décidé. Qu'est-ce que c'est que ce marsouin, là? J'aime pas trop, ça jure avec le vêtement rouge. Alors, on va mettre du beige. Parce que sinon, ça jure avec le vêtement du Père Noël. D'accord? Donc, on mettra du beige. Voilà, en gros. Hop. Ça fera ça. Et je viendrai mettre comment? Je viendrai mettre un petit ruban ici pour accrocher. Il y en aura notre peu. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, ce que j'ai fait là. Voilà, là je dépasse le, je découpe plutôt le petit papier. Comment dirais-je, qui dépasse. Et on va tenter de mettre de la colasse. Ici, je vais peut-être prendre un petit, non, j'ai pas le temps. Vous voyez, après on vient mettre de la colle tout autour. Bon, attendez, c'est la première, hein. Ça, c'est sûr que Chanel Strap, elles sont plus jolies, hein. Ça. Sont plus belles, mais en même temps, voilà. Voilà. Et comme ceci, et là, on vient repérer. Voilà. D'accord. J'enlève la colle. Comme. Voilà. Et vous avez votre petite boule. Alors après, il faut choisir un petit ruban. Un petit ruban. Ça aurait été bien des petites tiges. Vous savez que je peux trouver ça, hein, mes petits élastiques là. Je vais regarder. Voilà, j'ai mis, vous savez, les petits élastiques là, dorés. Parce que j'ai pas de. Faudrait que je regarde si j'ai des nœuds dorés. Bon, enfin. Je la trouve moyenne, mais c'est une première. Voilà. Vous avez fait votre petite déco de Noël. Je vais voir ça si on éteint ça. Comme ceci. Et puis voilà. On en fera d'autres pour voir si je peux faire mieux ou quoi. C'est mignon. Voilà les amis, c'en est tout pour ma petite boucle de Noël. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bye bye.